Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Duplicate Club pour jouer la partie du samedi. Le samedi, c'est partie 7 sur 8 à vocabulaire courant. Je rappelle brièvement le principe de la partie 7 sur 8. On tire 8 lettres à chaque coup, mais on en joue au maximum que 7, avec la prime de 50 points si on joue 7 lettres comme d'habitude. Mais il ne faut pas en jouer 8, sinon c'est pas admis, c'est 0. Voilà. C'est comme ça, c'est dur, mais c'est comme ça. Et du coup, la difficulté supplémentaire, c'est qu'on a ce qu'on appelle une lettre parasite, mais on ne sait jamais laquelle ça va être. Et puisqu'on est tenté, par exemple, quand on a une lettre chère, on est tenté de chercher avec elle. Et en fait, avec les 7 autres lettres, on peut avoir un Scrabble qui va faire mouche, si j'ose dire. Et on peut passer à côté de ces choses-là. Donc, c'est la difficulté de ce genre de partie. Et pour atténuer un peu cette difficulté, nous vous les proposons, puisqu'il y en a le samedi. Alors, peut-être pas tous les samedis, mais enfin, on ne publie pas toutes les semaines. On essaye une semaine sur deux, parce que c'est un vrai boulot. Et donc, on vous la propose à vocabulaire courant, cette partie 7 sur 8. Voilà, voilà. À l'issue, un décodage un petit peu plus rapide que d'habitude, puisqu'il n'y aura pas les potentialités des tirages. On est en 8 lettres. Et voilà. On va y aller. Donc, je vous souhaite une très très bonne partie. Partie 7 sur 8. On tire 8 lettres à chaque coup. Mais vous n'en jouez que 7 maximum. Allez, voici votre premier tirage. France F. Jordanie J. Océanie O. Belgique B. Égypte E. Deux fois. France F, c'est le deuxième. Et Uruguay U. Vous jouez avec France deux fois, Jordanie, Océanie, Belgique, Égypte deux fois et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Alors, pour ce premier coup, le top est à 88 points. Faites attention à la place du mot horizontalement en H. Sheet, nous posons B-O-U-F, le deuxième F, E et encore un E. Bouffer, B-O-U-F-F-E-E, le B est sur la case centrale, ça vaut 88 points. Une lettre au reliquat, Jordanie. Voici pour compléter, Égypte E, deux fois. Océanie O. Égypte E, troisième. Norvège N. Maroc M et Algérie A. Vous jouez avec Jordanie, Égypte trois fois, Océanie, Norvège, Maroc et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
un maximum à 69 points. Verticalement en 8C, en appui sur le B de bouffer, nous descendons en jambé. E, N, J, A, M, B, E, E. En jambé. E, N, J, A, M, B, E, E. En 8C. Ça vaut 69 points. Une lettre au reliquat, Océanie, on complète avec Norvège N, Égypte E, Grèce G, Danemark D, Tunisie T, Italie I, Algérie. Vous jouez avec Océanie, Norvège, Égypte, Grèce, Danemark, Tunisie, Italie et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 84 points. Horizontalement en E6, en appui sur le J de enjambé, nous posons adjoigne. A. D, J, O, I, G, N, E.
Adjoigne, Adjoigne, en E6, ça vaut 84 points. Une lettre au reliquat, Tunisie. Ajoutez Algérie A, Égypte E, Portugal P, Tunisie T, Venezuela V, Océanie O, Égypte E. Vous jouez avec Tunisie deux fois, Algérie, Égypte deux fois, Portugal, Venezuela et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Vingt-huit points. Verticalement en 12A, on appuie sur le N de Adjoigne. Nous descendons Pave. P-A-V-E-N-T. Pave, P-A-V-E-N-T, en 12A, ça rapporte 28 points. Trois lettres au reliquat, Égypte, Océanie et Tunisie. On ajoute Suisse, S. Italie, I,
Danemark D, Uruguay U, Italie I, c'est le deuxième. Vous jouez avec Égypte, Océanie, Tunisie, Suisse, Italie deux fois, Danemark et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 125 points. Verticalement en 15B pour mettre un S au bout de bouffée, nous descendons idiote. I D I O T E, S, le S n'en mettre bouffé au pluriel. Idiote, I-D-I-O-T-E-S, 15B, 125 points. Au reliquat, une lettre, Uruguay. Voici Suisse S, Italie I, Kenya K, Kenya, Italie I, deuxième, Norvège N, Suisse S, c'est le deuxième, et Zambie Z. Vous jouez avec Uruguay, Suisse deux fois, Italie deux fois, Kenya, Norvège et Zambie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 106 points. Attention à la place également. Horizontalement en C2. En C2, on appuie sur le tout premier E de enjambée. Nous posons unissier. U-N-I-S-S-I-E-Z. Unissier, U-N-I-S-S-I-E-Z, en C2. Ça vaut 106 points. Une lettre au reliquat, Kenya. On ajoute Roumanie R deux fois, Maroc M, Norvège N, Égypte E, Uruguay U et Hongrie H. Vous jouez avec Kenya, Roumanie deux fois, Maroc, Norvège, Égypte, Uruguay et Hongrie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Soixante-dix-huit points. Encore une fois, vous faites très attention à la place. Nous allons jouer verticalement en 14 H en partant du deuxième et dernier E de bouffée en descendant enrhumé. E-N-R-H-U-M-E-R. Donc nous avons joué enrhumé. E-N-R-H-U-M-E-R en 14 H en partant du dernier E de bouffée. Et ça fait 78 points. Au reliquat, toujours le cas de Kenya. On ajoute Joker, lettre blanche. Suisse, S. Tunisie, T. Danemark, D. Maroc, M. Italie, I. Algérie, A. Vous jouez avec Kenya, Joker, Suisse, Tunisie, Danemark, Maroc, Italie et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 123 points.
verticalement en 1, c'est de façon à mettre un M devant Unicié et en utilisant le Joker comme un O d'Océanie, nous descendons Mikado. M-I-K-A-D, Joker O d'Océanie et le S final. Le M transforme Unicié en Municié. Mikado, M-I-K-A-D-O-S, en 1C, ça vaut 123 points. Une lettre au reliquat, Tunisie. On ajoute Égypte E, Luxembourg L, Venezuela V, Uruguay U, Tunisie T, une fois, deux fois, trois fois, ce qui en fait quatre. Vous jouez avec Tunisie quatre fois, Égypte, Luxembourg, Venezuela et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-trois points. Horizontalement en haut, 12. En appui sur le R final de enrhumé, nous posons vert. V-E-R-T.
vert, V-E-R-T, en O12. Ça vaut 33 points. Cinq lettres au reliquat, Luxembourg, Tunisie trois fois et Uruguay. On ajoute Égypte E, Yougoslavie Y, Québec Q, Québec. Vous jouez avec Luxembourg, Tunisie trois fois, Uruguay, Égypte, Yougoslavie et Québec. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 42 points. Verticalement en 4A, en appui sur le premier I de Munissier, nous descendons quitte. Q, U, I, T, T. E. Quitte, Q-U-I-T-T-E en 4A, ça vaut 42 points. Trois lettres au reliquat, Luxembourg, Tunisie, Yougoslavie.
On ajoute Roumanie R. Luxembourg L, c'est le deuxième. Grèce G. Italie I. Égypte E. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Tunisie, Yougoslavie, Roumanie, Grèce, Italie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 37 points. Horizontalement en G3 pour mettre un E au bout de kit. Nous posons Yeti. Y-E-T-I. Le E transforme kit en kité et E. Yeti, Y-E-T-I en G3, ça vaut 37 points. Un reliquat de 4 lettres, Grèce, Luxembourg deux fois et Roumanie. On ajoute Océanie O, Joker, lettre blanche, Norvège N et Algérie A. Vous jouez avec Grèce, Luxembourg deux fois, Roumanie, Océanie, Joker, Norvège et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 82 points. Faites très attention à la solution retenue. Le joker sera un S de Suisse. Horizontalement en K2, nous posons l'ornia, justement pour mettre le S au bout de enjambé, donc L-O-R-G-N-A, et joker S de Suisse qui vient mettre enjambé au pluriel. L'ornia, L-O-R-G-N-A-S, en K2, ça vaut 82 points. Une lettre reliquat, Luxembourg. On ajoute Algérie A deux fois, trois fois, pardon. Uruguay U, Égypte E, Roumanie R et Canada C. Vous jouez avec Luxembourg, Algérie trois fois, Uruguay, Égypte, Roumanie et Canada. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 203 points. Vous ferez très attention à la solution choisie. Horizontalement, en A1, en appui sur le qui de quitter, nous posons calquera. C-A-L-Q-U-E-R. Nous avons bien joué calquera, C-A-L-Q-U-E-R-A, en A1 pour 203 points. Une lettre au reliquat, Algérie. On complète avec Océanie O, Égypte E, Roumanie R, Portugal P, Belgique B, Suisse S et Roumanie R, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie, Océanie, Égypte, Roumanie deux fois, Portugal, Belgique et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 65 points. Horizontalement en J7, en double appui sur le dernier E de enjambé et le premier R de enrhumé, nous posons résorbera. R-E-S-O-R-B-E-R-A. Le premier R formera R-A avec le A de lorgnat. Résorbera. R-E-S-O-R-B-E-R-A en J7. Ça vaut 65 points. Une lettre au reliquat, pardon, une lettre au Portugal, ça pourrait être un titre de roman ou de film. Une lettre au reliquat, Portugal, on ajoute Luxembourg, L, Italie, I, Égypte, E, Wallonie, W, Xénophon, X, Océanie, O, Norvège, N. Vous jouez avec Portugal, Luxembourg, Italie, Égypte, Wallonie, Xénophon, Océanie et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-quatre points.
Horizontalement en L10, en appui sur le U de enrhumé, nous posons pileux. P-I-L-E-U-X. Pileux, P-I-L-E-U-X, en L10, ça vaut 54 points. Reliquat de trois lettres, Norvège, Océanie et Wallonie. On complète avec Algérie, A. Uruguay, U. Luxembourg, L. Canada, C. Hongrie, H. Vous jouez avec Norvège, Océanie, Wallonie, Algérie, Uruguay, Luxembourg, Canada et Hongrie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 54 points. Verticalement en 3U sur le A de l'Ornia, sur le O, pardon, le O de l'Ornia, nous descendons Waou. W A O U H. Waouh, W-A-O-U-H, en 3I, ça vaut 54 points.
quatre lettres reliquats, Canada, Luxembourg, Norvège et Océanie. On ajoute les deux dernières, à savoir Luxembourg L et Suisse S. Vous jouez avec Canada, Luxembourg deux fois, Norvège, Océanie et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Pour ce dernier coup, un top à 24 points. Horizontalement en H4, nous posons son S-O-N. C'est rare de jouer en H4 au dernier coup. Son S-O-N, donc ça fait quitter E-E-S au pluriel, to et in avec les lettres déjà sur la grille. Vous pouvez également mettre un L avec sol, et c'est le dernier coup, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Son S-O-N en H4, ça vaut 24 points. La partie se termine donc en 17 coups pour un top cumulé de 1295 points. Une superbe partie 7 sur 8 que l'on va décoder tout de suite. Alors, un décodage en deux temps. 7 sur 8, je ne fais pas les potentialités des tirages. Donc, on va juste passer en revue la partie pour voir isotope et principaux sous-topes de chaque coup. Et les définitions de quelques mots de vocabulaire peu courants que nous aurions rencontrés dans, notamment dans les sous-topes et les isotopes. Et en bas, je vous mets deux petites lignes de vocabulaire. La première, comme d'habitude, ce sont des mots issus de la partie, isotope, sous-top ou dérivés.
Et la deuxième, comme on a joué le verbe adjoigne, voilà, je vous ai mis tous les verbes, enfin la famille de joindre. Alors c'est pas exhaustif parce qu'il n'y a pas les jointés, jointages, etc. Mais déjà c'est pas tout à fait la même famille, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, joindre. Je vous ai mis tous les verbes, adjoindre, enjoindre, rejoindre, conjoindre, disjoindre, les noms féminins, adjonction, conjonction, disjonction et jonction tout court. Et les adjectifs, alors attention, il n'y a pas de jonctif, hein, donc il n'y a que injonctif, conjonctif, disjonctif et subjonctif. Il n'y a que joindre et jonction qui fonctionnent sans préfixe. Voilà. Et puis c'est. Alors les quatre adjectifs sont réguliers, c'est-à-dire ils font la forme masculine et la forme masculine et la forme féminine. Et les verbes sont tous transitifs directs, donc le participe passé est variable. Voilà, allez, on y va pour ce décodage. Au premier coup. Je vous avais parlé du principe de la lettre parasite, vous voyez, on est tenté de chercher avec le J, on a joué à 40 maximum avec le J, et sans le J, eh bien on a bouffé du coup bien placé qui fait 88 points, autre sous-top, bouffe tout court à 36, bœuf à 28, feuge à 28, jubé à 26. Le coup d'après, alors évidemment, dès qu'on a un S, on va penser à jouer au bout. Alors, le coup suivant, beaucoup de voyelles, un scrabble unique, pas facile, enjambé sur le B de bouffer, sous top 32 points avec enjoué, c'est un adjectif seulement, ne jouez pas enjoué ER ou EZ, jeûné au même endroit, pratiquement, ça fait 31, jam jaune, jeune à jeune joué et eux, ça fait 30 points aux places qui défilent sur votre grille, sur votre écran. Alors, ici, et bien avec un tirage comme ça, on va aller chercher les conjugaisons sur les lettres aux places intéressantes, donc les lettres chères et semi-chères de la grille. Sur le F, a priori, il n'y a rien de folichon, mais il n'y a rien du tout en fait avec le F. Ah si, un féodat, ouais, c'était pas évident le F. Godet et UNT, ça fait 74. Jointage, donc là c'est le J hein, qui est intéressant en double. Jointage et adjointe, alors attention, il n'y a pas de déjointé, il y a éjointé, mais pas de déjointé, donc pas de déjointa, il faut jouer adjointe. Et adjoigne, qui gagne deux petits points, donc 84 au lieu de 82 avec jointage et adjointe. Dégéné, ça faisait 78 avec les deux lettres semi-chères qui doublent en plus du mot. En 13G et en C7, c'est la même configuration. Godet, AIENT, Nejota, 72, Négation, 70. Dégaina, dégoûté, bon, il y a plein de Scrabble hein, avec ce tirage, à plein d'endroits différents. Si on n'avait pas du tout envie de scrabler, on jouait adjoint pour 30 points, ce qui est dommage, parce qu'il restait un E et un G. Alors, le tirage suivant, a priori, on a vapoté et E, mais qui ne passe pas, sauf en appui pour faire pareil que le top. Donc, vapoté 28 en C3, et on a retenu PAV pour l'ouverture en haut sur les cases rouges. Ça fait donc 28-28, vapoter, décaler un peu, ça fait 26, vêtant et vête du verbe vêtir, votant et vote du verbe voter, en 12A également, avec le V qui double et le mot qui double, ça fait 26. Et également tapoter en main, T-A-P-O-T-2-E, ça ne passe pas. Le coup suivant, alors là on a le S, donc il faut penser à le mettre au bout de bouffer, on va chercher un Scrabble, pas facile. Ce Scrabble, il faut aller le trouver, il faut aller le chercher, même si le mot est connu. Le D en deuxième position, IO, c'est pas très fréquent comme construction, donc voilà, il faut le trouver. Idiote, qui passe aussi en K2 pour moins 40, il fallait mieux pas rater la place, et sinon, on peut marquer quand même pas mal de points. Avec rien qu'en triplant les deux mots, vertical et horizontal, bouffer tout seul déjà, ça fait pas mal. Hein. Ça fait. C'est pas là. Il est pas là.
Un bouffé, ça fait bouffé fois 3. Voilà, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 48 à lui tout seul, bouffé au pluriel. Donc dès que vous mettez un mot à la verticale, voilà, dites, ça fait 72, idiot, édito, 75, etc., etc. Et après, il y a d'autres Scrabble qui viennent se glisser dans ces scores. C ou dites, 72, à différents endroits, 70. Saoudite 63, mais vous voyez, il y a plein de solutions qui viennent se glisser, faire dans les 60 pour concurrencer les Scrabble. Voilà, le coup d'après. Alors, là, c'est pareil, on a une aide parasite. On a enfin, il y en a toujours une, hein, mais plus elle allait très chère, plus elle est parasite, si j'ose dire, puisqu'en plus, on est tenté de chercher avec elle. Donc, bon, là, on a deux lettres chères, donc a priori, on va plutôt essayer avec Z. Et grâce au E de enjambé, on peut faire les terminaisons IEZ. Et là, on a un seul Scrabble, même s'il y a plusieurs solutions à 54. Nuisier, sinisé, sinué, sinuier, pardon. Unicé, usinier, tout ça fait 54 avec le Z qui double et le mot qui double. Et en rajoutant une lettre, on a unicié qui passe aussi à 106, donc, et qui passe aussi en J2 pour 71. En canne 4, voilà des mots de 5 lettres avec le K et un S pour mettre enjambé au pluriel. Et on a 47 points. Inuk, skin, sconce. Voilà. Ici, le K est parasite. Si on le met de côté, murine, MU2RHI. Murin, murine. On verra les finitions tout à l'heure. Enrhumé, donc, qui passe à 76 en 13H. Et pour le top, avec une lettre qui triple au lieu de doubler, ça fait 2 points de plus, 78. 76, le sous-top, enfin, le deuxième enrhumé est à 76. C'est le même score que Khmer en triple, qui fait municier. Et enrhumé passe au signe en I2, J2, J8 pour 68, pardon, 69 ou 66 points. Noté mur, MU2RHE en 1C, jolie solution, on verra la définition tout à l'heure, à 52. Alors, le tirage suivant, alors, on est tenté de chercher sur le nonuple, là, il n'y a rien qui vient, un truc en ARD, Tamizar, ça n'existe pas, ouais, on est tenté, ERA, avec le K. On peut être tenté. Bon, on a quand même 123 points avec Mikado en 1C pour faire municier et en K2 pour faire enjambé au pluriel. Alors, il y a 20 points de plus là-haut qu'en bas, mais bon, c'est quand même un Scrabble. En bas, on dépasse aussi les 100 points avec Diktat ou Tadjik, 101 points. Et sans le K, on va marquer 96 en 1A avec Admit ou Damist. Et en 1C avec plusieurs solutions qui démarrent avec le M, qui prennent le D, Mitard, Maudit, Média, Médita, etc. Et puis on a toutes ces solutions-là qui passent aussi sur la ligne K pour mettre enjambé au pluriel et marquer 85 points. Tadjik, Joker J, superbement bien placé, mais ça ne fait que 82. Schactisme avec un C ou un S, je vais vous le mettre celui-là. On l'écrit aussi SH. Audimat, c'est joli, Audimat. Allez, la suite. Alors là, pas grand-chose, le V qui double et le mot qui triple, 33 points avec vert. Lève le V en pivot sur une case bleue foncée, ça fait 31. Velu levé en pivot sur une case rose, ça fait 30. Têtu en 15L, petite collante, à 29. Et teul, superbe, ça c'est magnifique. 28 points seulement en 13C, collante, double appui, on adore. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le Q qui double et le mot qui double avec quitte pour 42, qui est et
Quilt pour 40. En 6A, le Y triple lisse, 32. Idem en J6 avec Yue, 32 aussi. Alors, Yeti, le Y double, on est quitté au féminin. Ça fait 37 avec pour Yeti, 36 pour Yet. Stayer en 6C, le Y triple, ça fait 35. Flyer en 11 et 12H. Mot double à 34 points égalé par Gire en J5. Alors, le coup suivant. Alors là, on a allongé, rallonge. En appui, mais on va chercher avec un S joker au bout de enjambé. Donc on a rallon à 80, lorgna, galon et gralon, du verbe graler à 82. Ailleurs, on a ragdoll, superbe, à 75 en 2H. Allegro allongé en 2I 70. Gros lot, G-R-O-2-L-E-A-U, je l'ai oublié ce mot. Pourtant, il y a de quoi faire en jeu de mots. Enfin, il y en a un surtout, le gros lot. D'accord. Je l'avais oublié. Jonglera, lorgnera, voilà, ça fait 64. Hein, sangloter, trop lent du verbe troller. Clangor. Allez, le coup suivant. Alors là, on a le quadru, le nonup qui est toujours ouvert. On a le U, on a plein de voyelles. Donc on va faire U, E, R, A. Et boum, claquera, calquera. 203 points. Également, craquela, qui fait pareil. Et sous top, sans scrabler. Et bien, ça se passe là aussi. Que des triples à 48 points. Donc calqué, caquera, claqué. Ou 45, etc., etc. Tout se passe à cet endroit-là. À carpe, à 30 points. En A8, le coup suivant. Alors ça, c'est un coup spectaculaire. Scrabble unique, double appui. Place un peu planquée. C'est pas un mot double, c'est rien. C'est pas un triple, c'est pas un quadruple, c'est pas un nonup. On cherche pas trop à ces endroits-là. Résorbera, très difficile, 65 points, ça gagne 34 points sur le sous-top, arobe, paréo et paséo en L1, arobe c'était en 13K. Le coup suivant, pileux, époux, ça fait moins 2, pieux, moins 2 aussi, moins 4 avec pou et peu, et lieu, moins 6. Tout ça, c'est avec le X qui double et le mot qui double. On marque pas mal de points. X en 14A, 44. Tout comme Plexi en 2J. Mot double avec le P qui triple. Alors, le tirage suivant. Pas de T pour louchant. Donc, on ne scrable pas. Un petit clown ici en 2J pour 44 points. Jolie solution. Le C triple et le mot double. Clown passe aussi en 3I pour 38. Et au même endroit, avec le W qui double. Plutôt que le C, 54 points, avec Waouh pour le top, AH, le H en pivot sur la case bleue, on récupère le K, 37 points. Et enfin, le dernier coup, Sol ou Son à 24, Forci en 11H faisait 22, sans le S, 20, Calquera, 18, tout comme Cran, avec le C en pivot sur une case bleue. Voilà, c'était le dernier coup. On va passer maintenant aux définitions. Alors, en jouer, je vous l'ai mis, il n'y a pas de définition, mais c'est pour vous mettre, vous préciser que c'est bien un adjectif uniquement et qu'il n'y a pas de verbe en jouer. Il faut plutôt jouer engouer pour les verbes. Et si vous avez enjoué ER, vous jouez journée à la place. Vapoter, familier, fumer une cigarette électronique. Le verbe est transitif, donc on peut vapoter EE. On peut avoir vapoter EE. La Khmer,
nom adjectif et nom masculin, donc mère avec ou sans e à la fin, cambodgien. Diktat, nom masculin, exigence dure et pénible. Le Mikado, c'est à la fois l'empereur du Japon et un jeu de bâtonnets. Lève, pluriel avec un S, ou leva, L-E-V-A. Bon, c'est pas très important de le connaître puisque ça correspond aussi au verbe lever. Unité monétaire de la vie. Qui est ou qui est, adjectif en littérature tranquille, calme, la quiétude. Le yet est un mollusque gastéropode d'Afrique occidentale. Le galon est l'unité de capacité. Arobe avec un ou deux R. Féminin, une mesure espagnole de poids et de capacité. Décidément, on est beaucoup dans la capacité là. Galon et arobe. Stayer, coureur cycliste de demi-fond. Derrière la derrière moto. Gralon, ça veut dire graler, pardon. Parce qu'on a joué gralon. Graler, c'est un verbe, ça veut dire griller. Le taux, avec ou sans accent circonflexe sur le O, en Afrique, c'est une pâte de farine de mil. Siniser, je vous l'ai mis, il n'y a pas la définition, mais ça veut dire donner un caractère chinois à quelque chose, à une culture par exemple, ou un style ou n'importe quoi. Murin, murine, adjectif dans l'Antiquité, ça désignait un vase fait de mur, la mure étant une matière irisée précieuse. Le shaktisme, qui s'écrit avec CCD, S ou SH, c'est le culte de la Shakti. La Shakti étant la divinité hindoue de l'énergie. Donc entre l'énergie et les capacités, là, tout à l'heure, il y a un message. Flyer, tract qui annonce un événement. Gir, grand tourbillon océanique, non masculin. Le ragdoll, c'est un chat qui devient tout mou, comme une poupée de chiffon quand on le porte. Ça, c'est de la définition. Grolo, pluriel avec un X, G-R-O-2-L-E-A-U, c'est un cépage rouge de la vallée de la Loire. Et voilà, on en a terminé avec le décodage de cette partie. Je vous remercie de l'avoir suivi, et le décodage, et d'avoir joué la partie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis, si la chaîne vous plaît, je vous invite à vous y abonner. L'abonnement est gratuit, vous accédez à toutes les parties, mais 14 jours après, les membres payants qui s'acquittent d'une mensualité de 4,99€. Voilà, auprès de YouTube, vous cliquez sur « Rejoindre » si ça vous intéresse et vous suivez le petit processus de paiement qu'on vous invite à suivre. Voilà, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.